Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo produits terminés. Alors, pour commencer, je vais commencer avec l'huile visage précieuse soin neutre de Aromazone. Donc c'est un mélange d'huile anti-âge et protectrice que j'avais acheté il y a un certain temps. Je crois que je vous en parle dans le haul numéro 2 Aromazone. Je l'ai terminé il y a pas très longtemps. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais en fait au niveau du bouchon, là c'est tout encrassé par de l'huile qui a sûrement un peu fuité par le joint de la pipette. Et ça m'embête un peu parce que j'envisageais et j'envisage toujours de garder ce flacon et de l'utiliser différemment. Donc je vais quand même essayer de tout bien nettoyer, tout bien dégraisser. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour bien dégraisser un flacon de pipette, je suis preneuse parce que c'est vrai que c'est toujours assez pénible à faire. Bon, globalement sur le produit, on parle d'un soin anti-âge et protecteur. Pour moi, c'était juste un mélange d'huile lambda. J'ai pas vraiment vu d'effet vraiment particulier sur ma peau, ni au niveau. Je l'ai pas trouvé beaucoup plus nourri, ni plus rebondi, ni d'effet sur mes éventuelles premières rides ou quoi. Ce qui m'amène à dire que je ne rachèterai pas spécialement ce produit. J'ai même fini, je me souviens, par l'utiliser en fait sur le corps en sortie de douche comme hydratant corps, quoi, pour nourrir la peau plutôt que sur le visage parce que je voyais pas vraiment de différence, pas vraiment d'intérêt majeur à l'application sur le visage. Donc sans plus pour ce produit. Au niveau odeur, il avait une odeur naturelle d'huile, mais pas forcément une odeur gourmande ni sucrée, une odeur assez neutre, assez naturelle, assez brute on va dire. Voilà, donc pas vraiment un coup de cœur pour ce produit. Ensuite j'ai terminé également, alors là on voit plus rien parce qu'avec l'huile toute l'écriture du flacon s'en va joyeusement. Donc en fait c'est l'huile démaquillante pour les yeux de la marque Nature Cosmétique. Santé Nature Cosmétique, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur ma routine visage minimaliste, je crois, parce que c'était mon huile, enfin c'est toujours mon huile démaquillante pour les yeux préférée, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de plutôt d'éliminer toutes mes autres huiles végétales lambda et que j'utilise aussi pour le démaquillage des yeux, donc je n'ai pas encore racheté, ça fait longtemps que je n'ai pas racheté ce produit. Mais voilà, pour moi c'est un best-seller, j'aime beaucoup la composition, c'est bio, c'est sain, il y a dedans de l'huile de ricin, ça prend soin des cils, donc j'aime beaucoup. Je rachèterai très certainement, parce que c'est vraiment un produit que je rachète souvent. Il y a le dupe, enfin, il existe en fait globalement sous le même packaging et la même forme chez Logona et chez Santé Nature Cosmétique. Donc voilà, je rachèterai pour l'instant, je me démaquille différemment, mais je rachèterai sûrement par la suite. J'ai terminé l'huile végétale de camélia bio de chez Aromazone. Alors là par contre, ça c'est une de mes huiles végétales préférées, comme je vous en parle dans la vidéo sur mes 10 huiles végétales. Non, pas mes 10 huiles, enfin mes huiles végétales préférées. Je l'aime beaucoup beaucoup pour nourrir la peau, pour les bains d'huile cheveux, elle va très bien avec mes cheveux, pour le démaquillage, pour tout. Franchement, elle est super, elle n'est pas comédogène, elle a un indice comédogène de 0, donc ça c'est super bien. C'est d'ailleurs pour moi un indispensable quand je veux utiliser une huile en démaquillant le visage, qu'elle ait un très faible indice comédogène. Donc je vous en parle assez souvent, l'huile végétale de camélia, parce que c'est vraiment une de mes huiles végétales préférées. Donc bien sûr, j'en rachèterai. J'ai terminé le shampoing fraîcheur estivale Ozelia. Donc ça, je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo sur la Beautiful Box parce que je l'avais découvert dans une Beautiful Box et je l'ai racheté par la suite plusieurs fois d'occasion sur Vinted parce que comme je vous en ai déjà parlé, moi j'utilise beaucoup Vinted pour trouver les produits de la Beautiful Box que j'ai bien aimé. Et malheureusement, ce shampoing n'est plus commercialisé par la marque, en tout cas pas dans cette composition et pas dans ce packaging. Donc je pense que c'était un format un petit peu test qui a été lancé avec la Beautiful Box et que ça n'a peut-être pas assez fonctionné par la suite, ou en tout cas la marque n'a pas continué sur ce chemin malheureusement parce que j'aimais vraiment bien son effet sur mes cheveux et son odeur.
Et je pense que c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup de glycérine dans la composition. Mais je crois que vous en avez déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque effectivement c'était un de mes shampoings chouchous récemment. Bon bah voilà, malheureusement il va falloir que j'en trouve d'autres. De la même marque, donc des laboratoires Biofitum, il y avait aussi le masque cocooning et Purevia réparateur et démêlant, voilà, qui a fait un peu son temps. Je ne sais plus si pour celui-ci il est encore en vente. S'il est encore en vente, je vous mettrai un lien en barre d'infos, mais je me souviens plus. En tout cas, c'est la même chose, je l'avais eu dans la box, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai racheté sur Vinted. Ce que j'aimais moyennement, mais ça je vous l'ai déjà dit aussi, c'est son odeur de menthe. Mais bon, globalement, voilà, c'est deux produits que là pour le coup, je pense que je vais pas rechercher encore une fois. Je pense que je vais plutôt me pencher vers des produits qui existent encore et que je vais pouvoir renouveler facilement. J'ai terminé le déo Sanex Dermoprotecteur 0% d'alcool. Ça, j'en avais parlé dans mes déos favoris. Il n'est pas du tout 100% clean au niveau composition. Malheureusement, il y a dedans du tétrasodium EDTA et ça, c'est pas du tout biodégradable. C'est pas du tout bon à ce niveau-là. Je suis toujours dans une grande galère par rapport au déo bio. J'en teste plein, j'en teste encore de nouveau actuellement. Mais de temps en temps, il me faut un déo un petit peu, comment dire, conventionnel. Et j'essaye de prendre un peu les moins pires du conventionnel pour les fois où vraiment je peux pas me permettre de transpirer beaucoup, ou voilà, où j'ai confiance en mon déo. Et voilà, donc pour l'instant c'est celui-là, comme je vous disais dans la vidéo sur les déodorants. Bon, j'aimerais vraiment et j'espère vraiment finir par trouver un déo bio qui me convienne vraiment bien. J'ai un petit doute sur le fait que j'arriverai un jour à ce résultat miraculeux, étant donné qu'en plus je ne supporte pas le bicarbonate de soude parce que ça me donne des allergies, enfin des irritations. On verra, on verra, on verra. J'ai terminé le stick à lèvres Dermofit Bio qui faisait aussi partie de mes sticks à lèvres préférés et qui a aussi été arrêté d'être commercialisé avec cette recette-là, à mon grand regret, parce que je crois que dans la nouvelle recette, ils ont mis un ingrédient auquel je suis allergique. Mais bon, sinon, en grande surface, la marque Dermofit Bio, elle se trouve assez facilement, elle n'est pas trop trop chère par rapport à d'autres marques bio. Donc, pourquoi pas pour la nouvelle marque si vous n'êtes pas allergique, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est, je sais plus si c'est de l'huile de sésame ou du benzyl alcool en conservateur, un truc qui me convient pas. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup, dommage. Et comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, ça m'arrive très souvent d'avoir des produits chouchous qui ne sont plus commercialisés. Donc ça, c'est la dure loi des produits bio, ça ne reste pas très longtemps sur le marché. J'ai oublié de vous dire dans la gamme Biofitum, toujours Beautiful Box, découverte Beautiful Box, le shampoing naturel moussant et Purevia que j'avais aussi beaucoup aimé, qui mousse pas forcément énormément mais qui avait des super bons effets sur mes cheveux, notamment parce qu'il y a de la glycérine en deuxième position. Mais ça, je trouvais que c'était chouette parce que ça m'a permis de découvrir que la glycérine en deuxième position ou très très haute dans les ingrédients, en fait, ça convient très très bien à mes cheveux. Et comme je vais bientôt me faire des recettes de shampoing liquide maison, c'est quelque chose que je prends en compte pour l'élaboration de mes futures recettes. Encore dans les shampoings, j'ai terminé le shampoing doux de Florence Nature. Donc là, c'est pareil, je vous en parle dans une des vidéos sur les shampoings que j'ai faites précédemment. C'était un de mes basiques pour rincer un bain d'huile un peu tenace parce qu'il est assez asséchant, donc il faut, oui. Ou un bain d'huile un peu tenace ou un après-shampoing très nourrissant. Je rajouterai pas, je pense, parce que bon bah si c'est en fait si ça permet de rincer un bain d'huile très riche, c'est qu'il est très fort en sodium cocosulfate et donc relativement asséchant pour les cheveux. Donc bon, voilà. C'était bien en combinaison avec mon après-shampoing Apicia. Pour le coup là. Je vais essayer de trouver une autre combinaison et puis le sodium cocosulfate, comme je vous en parlais, j'ai découvert qu'il était peut-être pas spécialement ultra bien biodégradable. Ça dépend des stations d'épuration, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas encore trop d'études sur le marché, donc j'essaye d'éviter maintenant beaucoup plus qu'avant. J'ai terminé
J'ai l'étiquette d'un côté, le pot de l'autre. La base neutre masque capillaire Aromazone, donc j'avais pris en tout petit contenant pour tester. Et j'ai enlevé l'étiquette parce que bien sûr, je gardais le contenant pour faire autre chose. Alors au début, je me suis dit que ça me plaisait pas du tout. J'étais pas du tout fan de ce masque. Et puis, finalement, en le testant avec différents shampoings, et ça, c'est vrai que sur mes cheveux, c'est radical. Il y a vraiment des combinaisons de certains après-shampoings avec certains shampoings qui fonctionnent pas du tout, et des combinaisons qui fonctionnent très bien. Et effectivement, avec un de mes shampoings des Air Essence, là, pour le coup, la combinaison était parfaite entre cet après-shampoing et le shampoing. Il me faisait vraiment des beaux cheveux. Je le mettais en avant-shampoing, comme quasiment tous mes après-shampoings qui portent mal leur nom chez moi. Ceci dit, je ne vais pas le racheter parce que c'était pas non plus un effet complètement fou et parce que je vais essayer de m'en faire un moi-même et parce que aussi j'ai envie de tester d'autres produits. Je pense que je peux trouver mieux dans le domaine des après-shampoings. J'ai terminé le dentifrice blanchissant de la marque Avril à la poudre de charbon sans fluor, certifié bio. Alors, ce que j'ai plutôt bien apprécié dans ce dentifrice, c'est que je l'ai trouvé quand même assez mentholé, assez rafraîchissant, et ça, c'est un des points très importants de ce que je recherche dans un dentifrice bio. En revanche, je n'ai pas trop apprécié la présence de charbon dedans, parce que donc le dentifrice est noir et forme une pâte noire. Et du coup, bon, je vous passe l'aspect glamour, mais quand on crache après s'être lavé les dents, la mousse elle est grisâtre et en fait ça tachait un peu mon lavabo, qui est blanc. Et ça m'agace un peu, enfin j'aime pas trop quand le fait de me laver les dents salit fortement mon lavabo en fait, puisque comme c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, je n'ai pas envie que mon dentifrice salisse mon lavabo. Donc je ne le rachèterai pas pour cette raison. J'ai fini aussi le dentifrice de la marque Logo dans Nature Cosmétique. Donc celui-là, c'est le Delicare dentifrice sans fluor, fraîcheur naturelle, menthe douce bio. Je n'ai pas trop apprécié parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout assez fort. Justement, comme je vous disais juste avant, question fraîcheur, question mentholée. Donc ça ne me convient vraiment pas. Donc je ne le rachèterai pas. J'ai testé des cotons-tiges de la marque Hydrophile en bambou et coton. J'ai pas trop apprécié parce que j'ai trouvé la tige en bambou vraiment très rigide. Là sinon j'utilise des cotons tiges en tige papier, donc biodégradable aussi. Et je préfère, je sais pas pourquoi, ça m'a gêné que la tige soit rigide, parce que finalement, je sais pas, j'ai l'impression que peut-être je le tords un peu dans mon oreille sans m'en rendre compte quand je l'utilise, ou je sais pas exactement, mais voilà, donc j'ai pas apprécié particulièrement. Bon, c'est sûr que pour la démarche écologique, c'est chouette que ce soit en bambou et coton, mais encore, je me dis en papier et coton bio, ben, je pense qu'en termes de biodégradabilité, c'est bien aussi. Voilà, non, je ne rachèterai pas spécialement ce produit-là non plus. J'ai terminé un de mes anciens chouchous, puisque je vais bientôt faire une vidéo où j'ai trouvé encore mieux, qui était donc le gel douche Family Santé Nature Cosmétique Ananas Bio et Citron Vert. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je m'en servais comme gel douche, comme shampoing. Mais dedans, il y a du sodium cocosulfate. Et donc, voilà, ça fait aussi partie des choses que je ne veux plus trop racheter ou dont je cherche une alternative. Et comme je vous fais un petit teaser, mais j'ai trouvé, je vous en parlerai bientôt. Dans le même registre, le gel douche Coslis à la figue, bio, peau sensible, pareil. Alors moi, je l'aime vraiment bien comme shampoing. Mais il a les mêmes inconvénients que le Santé Nature Cosmétique, à savoir qu'il y a du sodium cocosulfate, que pour la biodégradabilité, j'ai plus trop envie d'aller vers ça, que c'est assez chiant pour les cheveux aussi, le sodium cocosulfate, et pour la peau, et que j'ai trouvé mieux. Voilà. Bon, le Coslis Fig, peut-être que je le rachèterai pour faire un shampoing de temps en temps, quand j'ai vraiment besoin du sodium cocosulfate pour enlever bien les bains d'huile et un petit peu faire une forme de,
j'allais dire décapage, c'est pas trop ça, mais un shampoing plus fort que avec des tensions actives plus fort, plus agressif, plus moussant que d'autres. Mais maintenant, ça se réduit, j'en ai plus vraiment besoin très souvent, donc je sais pas. On verra, je sais pas si je rachèterai. J'ai fini aussi le savon liquide Nature Santé Cosmétique, aloe bio et citron vert. Alors là, j'avoue que j'ai complètement regretté d'avoir acheté ce produit. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était exactement la même compo que le gel douche, à peu de choses près. Et d'ailleurs, pour cette gamme de cette marque, en fait, si vous regardez les compositions des shampoings, des gels douches, des savons pour les mains, c'est la même quasiment tout le temps. Vous ferez attention, ça sert à rien de prendre le plus cher des trois. Prenez le moins cher, ça va, vous allez avoir le même résultat. Oui, donc toujours pareil, hein. Il y a du sodium cocosulfate, rien de transcendant, je rachèterai sûrement pas. Et puis pour ce qui est savon liquide, je vais essayer de m'en faire un maison. Donc. J'ai terminé également le baume à lèvres de la marque Uro, le baume à lèvres sans parfum. Alors cette marque, ce baume à lèvres, j'avais vraiment très envie de tester parce que j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler sur YouTube, sur les blogs, etc. Et moi, pour le coup, j'ai pas trop aimé. Déjà, je l'ai pas trouvé si nourrissant que ça. J'ai même trouvé moins efficace, par exemple, que mon Dermophile bio. Pas si nourrissant que ça. Et un autre détail qui m'a vraiment gênée, en fait, c'est, on voit plus bien, il y a quasiment plus rien, quoi. C'est la forme en fait. Il a une forme ovale et pas une forme stick rouge à lèvres ronde ou quoi, une stick habituelle. Et c'est bête, hein, c'est tout con, mais moi j'aime pas. J'aime pas cette forme-là pour l'application sur les lèvres. Ça m'a pas plu. Et puis vraiment, j'ai rien trouvé de transcendant quoi. Donc ils sont quand même beaucoup plus chers que d'autres baumes à lèvres. D'autres baumes à lèvres, donc je rachèterai pas. J'ai pas du tout le coup de cœur. Je vais vous faire un petit point aussi maintenant sur les shampoings solides. En fait, si vous avez vu ma vidéo sur quelle forme de shampoing choisir et sur l'aspect biodégradable, je parle en fait du fait que j'ai testé des shampoings solides et que je me suis rendu compte que le SCI ne convenait pas du tout à mon cuir chevelu parce qu'il était beaucoup trop asséchant et agressif et qu'en plus, tout comme le sodium cocosulfate, je me suis rendu compte que il n'était peut-être pas nécessairement très bien évacué dans les stations d'épuration et peut-être pas si biodégradable que ça et que la façon de le fabriquer ne l'était pas non plus. Enfin bref, tout ça pour dire que le SCI, donc le tensioactif SCI qui permet de créer des shampoings solides principalement ou des soins solides, moi je le bannis quasiment tout le temps maintenant de tout ce que j'achète. Et tout ça, je l'ai découvert parce que j'ai testé 4 shampoings solides avant de me rendre compte qu'en fait c'était vraiment le SCI, parce que tous les shampoings solides que j'ai testés en contenaient à différents pourcentages. Donc avant de me rendre compte que voilà, c'était vraiment en fait le SCI en lui-même qui me convient, mais vraiment pas du tout à mon cuir chevelu. Je vous spoil pas l'autre vidéo, mais apparemment c'est le cas pour beaucoup de monde, mais certaines personnes s'en rendent compte au bout de longtemps. Mais si vous voulez plus d'infos, je vous laisse aller voir l'autre vidéo. Je vais quand même vous montrer du coup les shampoings que j'ai essayés. Le shampoing solide vegan cheveux secs à la vanille et coco de la marque L'Amazona. Alors malheureusement, j'ai eu un souci de téléphone où j'avais pris en photo les shampoings avant de les utiliser. Là, je n'ai plus que les packaging, les boîtes, mais je n'ai plus la forme. Je vous mettrai peut-être une photo issue d'internet. Et ben, tout comme tous ceux que je vais vous présenter, je n'ai pas du tout aimé l'effet sur mes cheveux. Trop regressant, trop asséchant, trop irritant, tout d'un coup, au bout de shampoing de suite, quoi. C'est le premier. Admettons, si je faisais un shampoing tous les 15 shampoings, ça pouvait passer sur un seul shampoing. Mais si j'avais le malheur de faire deux shampoings de suite d'un coup, ou bien trop rapprochés, ça m'a flingué les cheveux, hein, on peut dire ça. J'avais essayé aussi le shampoing solide de la marque C'est moi qui l'ai fait, je vous l'avais présenté dans une des vidéos haul Santé Discount, je crois. C'est une marque slow cosmétique, donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est des marques, enfin c'est un label que j'aime vraiment bien. Malheureusement, d'ailleurs, je suis en train de penser que l'Amazona aussi, c'est une marque slow cosmétique.
Et malheureusement, ce produit ne m'a pas convenu non plus. Ben, toujours pareil, hein, parce qu'il y a le SCI dedans qui ne me convient pas malheureusement. Par contre, au niveau utilisation, c'était mon préféré parce qu'il avait une petite odeur assez légère de citron, due à l'huile essentielle de citron qui est dedans. Et je trouvais sa petite odeur très agréable. Et puis, il avait une petite couleur de galet jaune pâle. Il était vendu dans une petite pochette en tissu que j'ai gardée d'ailleurs. Donc un emballage zéro déchet. Enfin, j'aimais bien la démarche. Je trouvais ça très intéressant, le packaging. Enfin, il y avait plein de choses qui me plaisaient bien dans le shampoing. Mais malheureusement, le SCI ne correspond réellement, vraiment pas du tout à ma problématique. Celui-ci, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais c'est celui à la propolis nourrissant et anti-chute. Et miel et citron. Et au final, donc, tous mes shampoings solides, c'est mon conjoint qui les a terminés. Et il n'a pas constaté d'effet sur le côté anti-chute de cheveux. Le shampoing Sweetie de Pachamamaï que j'avais acheté chez Nuo, je vous en ai parlé il y a bien longtemps. Je voulais le tester bah depuis un certain temps parce que c'est le shampoing solide dont on entend parler le plus sur YouTube, sur les réseaux. C'est un produit slow cosmétique également et apparemment il convient vraiment à beaucoup de monde. Et malheureusement, bah moi non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Bah c'est toujours pareil, hein. C'est toujours du sodium cocoïlisothionate, donc le fameux SCI qui est en premier. Donc voilà, il m'a pas convenu. Ça a été le préféré de mon conjoint, qui lui, pour le coup, ça lui convenait un petit peu mieux qu'à moi. Les shampoings solides, il n'avait pas ce côté irritation rapide comme moi. Ah, donc tout ça pour dire que les shampoings solides, j'ai testé, voilà, j'ai voulu tester, voir ce qu'il en était pour mes cheveux. La conclusion, c'est que ça ne me convient pas du tout. Bon bah c'est pas grave, je vais passer à d'autres formes de shampoings. J'ai testé le savon Lousse. Alors je sais pas si on dit Luce ou Lousse, au lait de chèvre et à l'huile d'olive, qui m'a été offert gentiment et gratuitement par la marque. Le savon, alors moi c'était celui pour aider par rapport à l'eczéma. Mon point de vue à ce sujet, c'est que je n'ai, pour être honnête, pas vu d'effet par rapport à mon eczéma. Ni plus d'eczéma, ni moins. Je trouve qu'en fait c'est un savon ben, finalement classique qui n'est pas particulièrement plus. Enfin, je ne l'ai pas trouvé vraiment plus doux ou plus hydratant ou moins asséchant, moins attaquant qu'un autre savon. Pareil, hein, j'avais pris en photo le packaging, etc. Et au final, eh bien, j'ai perdu les photos avec mon ancien téléphone. Mais je vais vous mettre une petite photo du site. Je l'ai trouvé bien en tant que savon, globalement. Après, c'est. Moi, le problème, c'est que avec ma peau, mon type de peau, bah, les savons, ça m'assèche la peau beaucoup trop. Et ce savon, du coup, ne fait pas exception à la règle, malheureusement. Et du coup, je ne recommande pas pour des personnes qui ont de l'eczéma. Je ne le recommande pas non plus pour des personnes qui ont des peaux sèches et sensibles et qui supportent bien les lavages au savon. Vous pouvez y aller, pourquoi pas. Mais voilà, pour ce qui est de l'eczéma, non, je ne trouve pas qu'il est transcendant. J'ai essayé le sérum désaltérant Lotus et Coton de la marque Patika. C'était un échantillon pour peau délicate et sensible. Et je dois dire que je suis contente au final que c'était que de l'avoir eu sous forme d'échantillon parce que j'ai pas spécialement apprécié. Notamment au niveau de l'odeur. J'ai trouvé qu'il y avait un parfum vraiment très très fort pour ce soin. Qui moi me gêne un peu, je n'aime pas les parfums vraiment prononcés, et là c'était vraiment un parfum un petit peu comme un parfum de parfumerie un peu chimique si je puis dire. Donc j'ai pas vraiment apprécié ce parfum-là. En plus la liste des ingrédients elle est quand même assez conséquente. Ouais, vous voyez, il y a tout ça. Et je ne sais pas si parmi tout ça il y a un ingrédient qui me convenait pas spécialement ou une compo qui me convient pas spécialement. Oui, d'ailleurs, en vous parlant, je vois que le parfum, il est très très haut dans la liste des ingrédients. Donc ça confirme bien qu'il y en a beaucoup. Et aussi que tous les ingrédients qui sont derrière sont
pas forcément présent en très grande quantité, et forcément c'est des ingrédients plutôt hydratants, etc., comme d'habitude. Donc non, je rachèterai pas. J'ai même eu l'impression qu'il me faisait limite des petites rougeurs supplémentaires là où je peux avoir déjà, où j'avais un peu de couperose avant, où ça peut revenir de temps en temps, selon d'ailleurs les produits que j'utilise. Donc clairement, je ne conseille pas spécialement ce produit, surtout si vous avez la peau sensible. Et c'est d'ailleurs un peu, entre guillemets, dommage, parce qu'il est conseillé pour les peaux délicates et sensibles. Mais moi, non, vraiment, ça m'a pas du tout convenu. J'ai pas vu d'effet hydratant vraiment chouette. Franchement, une petite huile de camélia a beaucoup plus d'effet que ça, quoi. Donc voilà, un petit flop. En vacances, pour ne pas avoir une valise trop lourde, j'avais pris deux petits échantillons de shampoing bio que j'avais eu suite à une commande Ecoverdé sur le site Ecoverdé ou Ecoverde il y a un petit moment. Alors, c'était globalement pas trop mal au niveau des deux shampoings. Après, en fait, c'est des shampoings. Alors, pour le coup, les deux, je crois, sont fabriqués en Italie. Marque Bioficina Toscana et l'autre marque Green Natural. Oui, mais fait en Italie aussi. Pour le coup, je me suis dit que c'était pas très pratique de passer toujours par Ecoverde pour se fournir, même si me plaisent bien. Même si les deux m'ont, oui, franchement, m'ont pas déplu, c'était pas non plus des énormes coups de cœur. Et le fait que, enfin, je commande très rarement, enfin, pas très souvent sur ce site-là, donc je rachèterai sûrement pas parce que je pense que je peux trouver mieux et plus facilement accessible en France. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je ne vous ai pas tout présenté parce que je vais bientôt faire une vidéo un petit peu, enfin, bientôt, dans quelques mois, je pense, faire une vidéo plus spécifique sur tous les nouveaux déodorants bio que je teste, et également une vidéo spécifique sur les savons sous forme bain de savon. Là, je vous ai parlé de celui de la marque Loose, mais j'en teste beaucoup en ce moment, et j'aimerais faire un vraiment gros test, pardon, sur ce sujet. Donc ça, je mets de côté et je vous en parlerai tout d'un coup quand le moment viendra. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez m'encourager, encourager mon travail. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.